L'art de compter, c'est aussi l'art de la complicité, de la connivence. Un compteur ne peut pas compter sans public. Il doit absolument y avoir une dynamique de partage, de proximité et de spontanéité qui émerge de cette relation basée sur la parole. Il faut un endroit où scène et salle se confondent, où compteur et spectateur sont dans le même univers, la même émotion. C'est à l'intérieur de cet espace qu'on vous invite à Compteur de parole. Rénal Barbary a cette facilité à mêler habilement des acteurs de l'actualité québécoise avec des personnages farfelus issus de son imaginaire. Je vous parie qu'il vous fera bien rire avec cette histoire sur un dénommé Tigeant. Il était une fois, dans un grand royaume. Dans un royaume, il y a un roi. Un grand roi qui vivait comme un dictateur. Ses sujets étaient à sa botte. Et surtout, une sujette, une veuve, qui s'occupait de certains services personnels que le roi avait besoin. Parce qu'il n'était pas capable de s'occuper de ses 10 doigts lui-même. Et surtout du 11e. Donc, la veuve était à son service. La veuve était bien tannée. C'est pas pire, elle avait 3 gars. 3 gars en âge de travailler. Mais ils travaillaient pas. Parce qu'elle n'avait pas été à l'école assez longtemps. Fait que là, le maire, il a dit, écoutez, les gars, là, moi, je suis tanné là, d'être obligé de rendre service au roi. Vous pouvez me rendre service aussi, aller à l'école, apprendre les métiers, puis revenir. Fait que son plus vieux, il est parti dans l'ouest pour aller dans les grandes écoles. Son milieu, il était dans l'est pour aller dans les moyennes écoles. Et son plus jeune, son préféré, Tigeant, bien lui, il était dans le sud pour aller dans les grandes écoles privées. C'est un conte. Surtout, j'ai 10 minutes. Ça passe vite. L'année a passé. Le plus vieux, il est revenu. Il avait appris un très beau métier. Menuisier. Ah, quand sa mère a vu ça, elle a dit, c'est bon ça. Le roi va être content que tu aies un bon métier comme menuisier. Va le roi, je suis certain qu'il va te donner du travail. Un job. Ben, il était le voir. Puis le roi, justement, avait besoin d'un menuisier pour faire des portes, pour garder ses trésors. Fait qu'il avait engagé le plus vieux. Puis le deuxième, il est revenu. Lui, avec, avait appris un beau métier. Il avait appris le métier de serrurier. Fait qu'il était voir le roi. Puis le roi, ben, était bien content parce qu'il pouvait mettre des serrures après ses portes pour protéger son trésor. Là, il manquait de Tigeant. Tigeant n'était pas revenu encore. C'était un peu plus long, hein? Les écoles privées, hein? Ils finissent un peu plus tard. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas rien. Fait que... Mais il s'y est revenu à un moment donné, puis il était voir sa mère. Puis là, sa mère était tellement contente de le voir, son plus jeune, son préféré. Elle dit, puis Tigeant, c'est quoi que tu as appris comme métier? Ben, moi, j'ai appris le métier de fin voleur. Fin voleur? C'est pas un métier. Ah, oh, oui, il y a des grandes écoles, ils nous apprennent ça. Oui, mais fin voleur, il va pas dire ça au roi, il va te couper la tête. Ah, oh, c'est pas sûr. Fait qu'il était voir le roi le lendemain. Puis il a dit ça au roi qui avait appris dans le sud, dans une grande université, le métier de fin voleur. Puis le roi, il comprenait pas c'était quoi, tu sais. Il dit, mais c'est quoi ça? Ben, il dit, j'ai appris toutes sortes de trucs. Ben, fin voleur, ça veut dire que tu es capable de voler. Ah oui, ah oui. Ah, ben écoute, peux-tu me montrer un exemple? Si tu es capable de voler, tu sais que j'ai un cheval, moi, le cheval le plus rapide, le cheval qui vaut le plus cher au monde, puis qui est gardé par 10 soldats, bien, si tu es capable de le voler, ça va être beau, mais si tu n'es pas capable, je te coupe la tête. T'es un roi. Il a le droit. Mais le Tigeant est parti. Ah, il ne s'est pas déguisé. Il est arrivé le soir, il avait amené une petite barrique, de Hamaric, du rhum. De Appleton, et puis dedans, il avait mis de l'endormitoire, par exemple. Puis Tigeant était connu. Quand les soldats l'ont vu, faisait un an qu'ils ne l'avaient pas vu, ils étaient bien contents de le voir. Ah, salut mon Tigeant! Puis les soldats, souvent, ça a des tendances à l'alcoolisme. Hein? Quand ils ont vu le baril, ils étaient bien contents. Ah, ben viens-t'en, Tigeant, viens avec nous autres, viens boire un petit verre. Fait qu'il en a servi à tout le monde. Ça n'a pas pris 5 minutes, ça ronflait, là. On pouvait entendre dans tous les quartiers. Ça faisait gling, 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 gling. Tu sais, un soldat commence à ronfler, ça ronfle comme une casserole.
Mais sa mère, quand elle a vu Tigeant arriver avec le cheval, elle a dit, Tigeant, qu'est-ce que tu fais là avec le cheval du roi? Hey, c'est dangereux, tu voles pas un roi, hein, je veux dire. Tu peux voler n'importe qui, mais pas un roi. Ah, oh, je me suis arrangé, il m'a dit, si t'es capable, c'était beau. Puis si t'es pas capable, je me couperais la tête. Fait que fallait que je sois capable. Fait que le lendemain, Tigeant, ben, il a été porté le cheval au roi. Hey, le roi était tout impressionné de ça, qu'il avait été capable de voler son cheval. Mais ben, il dit, t'es-tu capable de faire d'autres sortes de vols? Ah, il dit, ben oui, dit, n'importe quel. Il dit, commandez ce que vous voulez. Ben, t'es-tu capable de... Ah, ben ton frère m'a fait des portes, puis ton autre frère m'a fait des serrures. T'es-tu capable de voler le trésor royal? Ah, ça, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Mais si vous me donnez la permission, puis que... Ben, il dit, faut que je m'arrange, par exemple, parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Il dit, ça, c'est un crime quand même, il faut que je m'organise, c'est comme un crime organisé. Il dit, ça, il faut que j'aille voir mes amis pour m'aider. Je vais aller voir Luigi, Frankie, puis Tony. Ben, il s'est organisé avec Luigi, Frankie, puis Tony, puis ils ont vidé les coffres du roi. Je vous le dirai pas comment, parce que ça, c'est une omerta, hein, faut pas le dire, puis... T'sais, c'est un copyright là-dessus, t'sais, tu peux pas te le dire. Mais ils ont été capables. Le roi, il en revenait pas comment que Tigeant était habile. Fait quand il a revu Tigeant le lendemain, j'ai dit, Tigeant, j'en reviens pas. Il tombait après des belles affaires dans les écoles dans le sud, les écoles privées. Tu peux-tu... Ben, c'est sûr que moi, je suis riche, c'est facile. Mais es-tu capable de voler des pauvres? Es-tu capable de voler des vieux? Es-tu capable de voler des malades? Es-tu capable de voler des étudiants? Ah, il dit ça, c'est bien facile. Il dit, moi, avec les deux mains, je suis le volant, je suis toujours prêt. Le roi, il l'a regardé, il dit, hey, il dit, à cette heure-là, tu vas t'appeler Tigeant, mais Tigeant Charette. J'avais entendu une version par André Lemelin et. Avec la même finale, bien, finale, là. Et j'avais entendu la même version, mais avec Dominique Brault, qui l'avait faite avec Stephen Harper. Et moi, j'avais le goût de le retravailler à ma manière, puis c'est ça que ça a fait. Que ça marche avec l'actualité présente. Bien, écoute, on peut pas faire mieux. Je pense que c'est un site. Puis je pense qu'il faut en sortir beaucoup des petites affaires de même, parce que le conteur peut être le fou du roi aussi, hein. Tout ce que les autres ont peur de dire au roi, le fou peut le dire. Fait qu'on en profite. Merci. Nadine et Marie-Pierre sont des conteuses qui font un travail précieux. Elles recueillent des chansons et des contes auprès de nos aînés, ces porteurs de traditions. Ensemble, elles forment un duo qui a parfaitement compris l'art de la complicité avec le public. Vous allez voir. C'était le 25 de mai, sur la glace, un gros bélier qui fricassait des oignons avec des blocs de neige dans l'oreille d'un pigeon, sur le dos d'un gros lièvre. Ils sont supposés de répéter. Sur le dos d'un gros lièvre. Un attelage vint à passer, quatre crapauds bien attelés, à wawaron frisé poudré, assis dans un carrosse. Une fourmi à ses côtés, je crois qu'ils vont aux noces. Une fourmi à ses côtés, je crois qu'ils vont aux noces. Il avait pour son laquais un gros ton qui jabotait. Il avait pour son cocher un maringouin d'automne qui sacrait comme un chantier. Je crois que... Qu'en faisait-il l'homme? Il sacrait comme un chantier. Qu'en faisait-il l'homme? Une sauterelle mal avisée s'en allait les voir danser. Elle sauta de haut en bas, se cassa la cervelle. Elle est morte depuis ce temps-là. J'en ai su la nouvelle. Elle est morte depuis ce temps-là. J'en ai su la nouvelle. Excusez-la. Hein?
Mais il y a une histoire que quand on allait dans les soirées comme ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait tout le monde en rond, puis nous autres, on startait avec des histoires ou des chansons, puis après ça, tout le monde continuait. Mais il y a une histoire que le monde aimait plus que les autres, puis ça nous tentait de la partager à soir. Hein? Celle-là? Le lutin? OK. C'est bon. Parce qu'à commences-tu? Oui. Ça se dit, je joue des tours. Une fois, c'était un fermier. C'est ça. C'était un homme, tu sais, puis il y avait bien des enfants, il y avait bien de la marmoille, puis ses terres étaient plus cultivables. Fait qu'il commençait à avoir faim, puis il y avait toujours un champ dans ce village-là que personne n'osait toucher. Ouais. Mais il n'y avait pas le droit. Mais c'est ça. Ouais. On disait de ce champ-là qu'il était maudit, puis on avait décrété qu'il était inutilisable. Mais là, comprenez-moi bien, il avait faim, puis quand un homme a faim, ça fait tout pour sauver sa peau et celle de ses enfants. Fait qu'il s'est dit, oh yarb! C'est quoi de dire? Oh yarb, le champ qu'on n'a pas le droit, moi j'y vais. Fait qu'il s'est planté en avant du champ. Il l'a regardé. Oui. Puis là, ben, il y avait plein de roches. Fait que la première affaire qu'il avait à faire avant d'être capable de le cultiver, tu sais, de le semer puis de cultiver, c'était d'enlever les roches. Fait qu'il s'installe, toi, puis il pogne la première roche, puis il la lance. Puis en faisant ça, il entend, hey, 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 hey mon homme! Qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il était ça d'eau. Hein? Hey. Petit de même, il aperçoit devant lui un lutin. Il est resté assez surpris, il a fait un saut par en arrière, puis il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis le lutin, il dit, attends un peu, on va t'aider. Et là, il est sorti 20 petits lutins. Pop, 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 pop. Et là, ils se sont mis à l'aider. Tu pognes les roches, garoche ça sur un bord, garoche ça sur l'autre, garoche ça sur un bord. D'habitude, on va sur le même bord. C'est beau. C'était beau parce que. Fait que la journée n'était pas finie, qu'il avait déjà tout fini. Fait que le bonhomme était content. Il s'en retourne à la maison se reposer. Comptez ça à sa femme qui ne l'a pas cru, mais pas en tout. Ben, c'est clair. Elle s'appelait pas Claire, mais c'était clair. C'est ça. Le lendemain matin, il retournait à son champ, il regardait ça, c'était tout déroché. Qu'est-ce qui était quoi la prochaine étape? C'était de labourer. Oui, d'habitude, on laboure. J'ai l'impression que mes champs. Monsieur. Fait qu'il s'installe avec sa petite pioche pour commencer à labourer son champ quand il entend Hé, 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 mon homme, qu'est-ce que tu fais là? Là, il a tout de suite regardé, puis encore une fois, le même petit, hein? Le même petit lutin qui était là. Il dit attends un peu, on va t'aider. Attends, c'est parce que là, c'est quand même que le lutin répond ça, il sait pas pourquoi il va l'aider, parce que le fermier, il a pas dit ce qu'il était en train de faire. Ah oui, c'est vrai. Le fermier, il a dit au petit lutin qui a demandé qu'est-ce que tu fais là, il a dit, ben, je suis prêt à labourer mon champ. C'est ah! Attends un peu, on va t'aider. Fait que là, il y en a pas 20, il y en a... 40. 40? Hein? Qui sont sortis avec le petit bêche, puis ils sont mis à bêcher le champ. La journée n'était pas finie, hein? Il avait fini. Fait qu'il s'est retourné chez eux, il a conté ça à sa femme. Qu'il l'a pas cru. Le lendemain? Oui. Là, qu'est-ce qu'il faisait le lendemain, normalement? Il avait sa poche de graines. Oui, là, il a sorti sa poche de graines. Pas un mot, Rénal. Et là, il s'est installé, puis à bonne distance une de l'autre, il a commencé à semer ses graines. Il était un trou, une graine, mais il n'avait pas commencé, là, puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a entendu? Hé, 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 mon homme, qu'est-ce que tu fais là? Le lutin. Oui, il dit, ben là, il dit, parce que je suis en train de semer mes graines. Il dit, attends un peu, on va t'aider. Et là, il est sorti pas 20, pas 40, combien? 60. 80. 80. Oh, come on! Oui, mais il avait avisé la police de leur trajet. C'est ça. Donc, c'était légal. 80. 80, tu lutins, toi, ils s'installent toute la gang, puis ils se mettent à bonne distance à planter les petites graines une par une. Il y avait du fun à jouer avec les graines, hein? La journée n'était pas finie, qu'il avait fini. C'est ça. Comptez ça à sa femme. Elle l'a pas cru. Le lendemain matin, ben en fait, le temps a passé. Tu sais, d'un compte, ça va vite, puis on a juste une minute, on se dépêche. Faut que ça pousse. Ça a poussé, ça a poussé tout ça. Mais ce matin-là, le bonhomme s'est levé, il avait mal à la gorge, il commençait une grippe d'homme. Fait que, il s'est pas levé, il a envoyé son fils à sa place, prendre soin du champ, puis voir que tout était beau. Fait que le fils, il se présente, en avant du champ, il regarde ça, puis hey, c'était des beaux gros épis de blédin qui étaient là. Il était beau, il reluisait au soleil ou la lumière. Fait que là, il en a pogné un, puis il l'a cassé. Puis là, il a entendu.
Non, 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 mais juste comme il l'a cassé, parce que ça sentait tellement bon, le blé d'Inde. Ah oui, c'est vrai. Il y a goûté. Qui a goûté? Oh non. C'est là qu'il a entendu. Hey, mon homme, qu'est-ce que tu fais là? Elle regardait partout parce que ça ne savait pas. Ben oui, parce que là, lui. Il savait pas, lui. Là, il aperçoit les tout petits. Ben, là, il était tellement beau, j'ai goûté. Blé d'Inde. Attends un peu, on va t'aider. Et là, il n'est pas sorti 20? Pas 40, pas 80. Ouais. Ils sont sortis. Ils ont leur grosse dent, puis là, ben, ils se sont mis. Le petit dent, ils sont venus manger tout le blé d'Inde du champ. Pas une journée qui a passé, qu'il ne restait plus un épi dans le champ. Là, il s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Là, il a comme réalisé que là, c'était pas correct. Il s'est caché dans rigole qu'il y avait pas loin. C'est la seule idée qu'il a trouvé. Bon, oui, il était pas fin. D'après moi, c'est ton petit Jean. Non, il était fin, ouais, c'est ça. Il s'est caché. Oui. Ben, c'est ça, Jean. C'est ça qu'il fait. Fait que le père, le lendemain, tu sais, s'en va voir son champ. Ben oui. Puis là, il commence à s'inquiéter. De toute façon, il n'a pas vu son fils la veille. Ouais. Fait qu'il s'en va voir son champ. Et là, il aperçoit le champ, oui. Plus une graine, plus un épi de blé d'Inde. Là, il était fâché. Puis là, comme il était en train de sortir de ses gonds, il aperçoit-tu pas la tête de son fils qui dépassait de la rigole? Et il te le pointe, toi. Puis il dit là, qu'est-ce que. Puis là, il explique tout ça. Puis là, il se met à fesser dessus. Quand il entend. Hé, mon homme, qu'est-ce que tu fais là? Bien là, il dit, vous le voyez bien, je suis en train de battre mon fils. Il a tout. Qu'est-ce que. Bien là, hein? Attends un peu, on va t'aider. Pas 20, pas 40, pas 80, pas 160, mais. Lutins qui sont sortis. 320 lutins qui sont sortis, toi. Puis ils se sont tous cordés un par derrière l'autre. Ils se sont mis à. Frapper. Bien, faut vous imaginer. Des petites claques. Bien, ils l'ont tellement frappé, qu'il y en est mort. Bon, là, la femme qui était restée à la maison, elle se demandait bien ce qui se passait avec ce foutu champ-là. Fait qu'elle s'est décidée de se rendre au champ. Puis quand elle a vu son fils mort, quand il va pleurer, quand elle a entendu. Hé, ma femme! Oh, ma femme! Hé, ma femme! Qu'est-ce que tu fais là? Il pleure parce que mon fils est mort. Attends un peu, on va t'aider. Pas 20, pas 40, pas 80, pas 160, pas 320. 640 lutins qui sont sortis. Ils ont même pleuré, je te dis. Ils ont tellement pleuré que ça nous a fait un. Ben, une rigole. Une rigole. Puis après ça, un ruisseau. Une rivière. Ça a tout emporté. Un lac, un fleuve, une mer. Un océan. Hein. Ça a tout emporté. Tout. Sauf le bonhomme. Ah ouais. Qui, lui, était sur une butte. Il était sur le pont Jordi Bonnet. Et il était en beau maudit. Ah oui. Puis là, comme il était là, tu sais, dans les histoires, c'est bizarre de même. Tout d'un coup, voyons. Voyons. Une abeille, deux abeilles, trois abeilles. Hey, il s'est mis à se faire piquer par plein d'abeilles. Et là-dessus, tout d'un coup, il entend. Hé, mon homme, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, tu vas pas me gratte, ça me pique, il dirait pas de me faire piquer. Attends un peu, on va t'aider. Pas 20, pas 40, pas 80, pas 160, pas 320, pas 640, mais. Là, c'était illégal, là. Là, vraiment, là. Eh bien, ils se sont tous mis à le gratter jusqu'à ce que. Il reste plus rien qui tombe en poussière. Ben, la peau, tout est tombé. Je veux dire, il restait plus de bonheur. Ah ouais. Ouais. Fait que, tout ce qu'il y a à comprendre de cette histoire-là, là, c'est que quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, ben faites-les pas. Merci. Ben moi, je m'appelle Nadine Bédard. Moi, c'est Marie-Pierre Fournier. Bien, nous, on est des conteuses-chanteuses, on aime ça. Puis, on a eu un projet qu'on vient de terminer dans la MRC des Jardins de Napierville, où est-ce qu'on est allé rencontrer les aînés de 10 villes et villages. Et puis, on a fait des soirées, des après-midi de compter chansons. On les a fait compter, on les a fait chanter. On a enregistré ça, on a fait un livre CD avec ça. Puis, on a décidé que ça ne peut pas rester là. Fait qu'on raconte les histoires puis les chansons du livre. Puis là, c'est ça qu'on vient de raconter, une des histoires. Exactement. Du livre. T'as pas parlé beaucoup, je trouve. Mais non, mais tu pourrais peut-être chanter un petit bout de la chanson. Ah oui, on peut-tu faire ça? Oui, donc. C'est ta caricature.
Un jour à la pêche, je m'en suis allée, clac à la quétougne, clac à la quétougne. Un jour à la pêche, je m'en suis allée, clac à la quétougne d'ondée. Si vous voulez voir la suite, venez nous voir en spectacle. Merci! Qui restent dans nos mémoires et qui nous font rire encore plusieurs heures après. C'est le cas de la prochaine histoire. Encore une histoire de famille. Mon grand-père disait toujours, chaque fois qu'il regardait le calendrier, il disait « Lundi à l'autre, mardi qu'elle est belle, mercredi-t-il, jeudi est-elle à vendre, dit-il. » Samedi non, dimanche là. Mon grand-père avait un cochon très, 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 très intelligent. Il savait compter. Oui, tu allais dans la grange, tu disais, Samy, c'était son nom, il disait, Samy, 4 plus 4. Que Samy le regardait, 9, 9, 9, 9, 9. Grand-père donnait le pied dans le derrière, 8, 8, 8. Laissez-moi vous conter l'histoire de mon cousin Vinny. En fin de compte, son nom, c'était pas Vinny. C'était Vincent. Puis c'était pas mon cousin. C'est le cousin de mon père. Donc, c'était le fils du frère de mon grand-père. Il avait décidé de se faire appeler Vinny parce qu'il avait vu le film « My Cousin Vinny ». Il a trouvé ça cute. Quand il se faisait appeler Vinny. Mais Vinny, il y avait un problème. Dans les années 60, son problème, c'était considéré comme un handicap. Il était un bégayeux. Puis dans ce temps-là, tu étais considéré comme un handicapé, puis tu ne pouvais pas avoir de travail. Vinny, il avait été partout, partout, partout pour trouver une job, puis personne ne le voulait. Que, dernier recours, le monde disait qu'il ferait un beau bedeau. Puis il était voir le monsieur le curé. Puis il dit, monsieur le curé, je voudrais travailler pour Dieu. Curé, qu'est-ce que tu sais faire, Vinny? Ah, je peux faire tout ce que vous voulez, monsieur le curé. Ouais. Ah, j'ai une idée, Vinny. Tu vas vendre des Bibles. Même le curé ne voulait pas. Il dit, je vais te donner une douzaine de Bibles. Tu prends ton temps. Dans un an ou deux, mais que tu les aies vendues, tu viendras me voir et puis m'entends donner d'autres. Le lendemain, Vinny était là. Il dit, monsieur le curé, avez-vous d'autres Bibles? Qu'est-ce qui est arrivé avec celle que je t'ai donnée hier? Je les ai vendues, monsieur le curé. Wow! OK, je vais t'en donner 12 autres. Tu prends ton temps. Dans un an ou deux, mais que tu les as vendus, tu viens me revoir. Le lendemain, Vinny est encore chez M. le curé. Il dit, monsieur le curé, avez-vous Bible? Non, viens pas me dire que tu les as vendus. Ces 12-là aussi. Oui, monsieur le curé. Moi, je comprends pas, là, Vinny. Moi, en tant que prêtre, curé du village, si je peux en vendre une aux 5 ans, c'est beau. Puis toi, 24 en 2 jours, je la comprends pas. Explique-moi ce que tu fais. C'est facile. Monsieur le curé. Et tu vas au même maison. Puis
dis aux gens que je vends des puis là je leur demande si ils veulent acheter une ou ils veulent que je la lise. C'est un conte d'un inconnu. C'est des vieux contes que j'ai pris dans les Carolines du Nord puis un peu partout. Puis je m'en sers parce que je suis intervenant auprès des jeunes suicidaires amérindiennes. Puis je vais tout le temps chercher des leçons d'objets. Puis vu que les Amérindiens aiment beaucoup les histoires, que je leur conte tout un paquet d'histoires comme ça. Que l'histoire est inconnue. On ne sait pas de qui qu'elle vient. C'est histoire sans nom. Et pourquoi vous avez choisi de nous la raconter comme ça? J'aime beaucoup conter l'histoire de la famille parce que, comme celle-là, une fois, je l'avais contée, puis c'était pas mon cousin venu, c'était l'histoire du gars. Puis il y a deux hommes, ce soir-là, sont venus me voir pour dire que je les avais blessés à cause de ça. Puis mon professeur, qui était conteur d'histoire, me dit « Robin, rends-la personnelle, cette histoire-là, puis le monde va s'attacher à l'histoire. » Puis c'est ça que je voulais conter, que malgré l'handicap que le monde a, les troubles qu'ils ont, on peut tout le temps être utile à quelqu'un, comme celle-là. Merci beaucoup. Si vous avez réussi à vous abandonner à une histoire, à oublier vos tracas quotidiens, bon, du moins, jusqu'à la fin d'un conte, eh bien, vous avez enrichi ce conte de votre imaginaire et de votre présence. Le conteur prend la parole pour la donner et divulguer un univers. Celui qui l'écoute ouvre son esprit et se prête au jeu. On peut donc dire qu'aujourd'hui, conteurs et spectateurs étaient unis, autant par la parole que par la mémoire. Je vous invite à poursuivre l'expérience la semaine prochaine pour la dernière émission, déjà, de Conteurs de paroles.